Il est là. Un cut. À la main cut. Ils n'ont qu'à te rire, mais tout gros. C'est toi qui fais pour fou la chasse. Les gars, il est peut-être en train de se branler. Fous la terre. Attends, je vais dire, ça va dans les yeux. Ça va ou quoi? Ah, j'avais dit ça, les enculés. Oh non. Oh, viens de l'extérieur. Ouais, vas-y, mais... Oui, t'es sans cesse. On fait l'interview sur les toilettes. Ah, ça va. Mec, j'avais du putain de savon. J'étais là comme un yankee. Tu me dis si tu veux que je sois ton DA. Un peu plus, t'es en train de me branler, quoi. C'est ce que j'ai dit, fais... Tu vas voir, à tout moment, il va se branler. À tout moment, j'étais comme ça, poire sur les couilles, mec. 7h17. Les athlètes de haut niveau, c'est bien, ça se lève tôt. On en a un, gars. Ouais. T'as pris ton matelas et tu t'es cassé dedans. Pourquoi? Ça, il y avait trop de ronflage. Mais non. Ah, je te jure, j'y arrivais pas. En plus, c'était du ronflage irrégulier. Et il y en a un, il ronfle, je sais pas qui c'est, mais il est trop fort. Genre, il fait. Il a fait. Il y a l'air qui se bloque, tu vois, la valve se bloque, il fait. Mais non. Ah, je te jure. Je crie pas, gros, c'est juste qu'il n'y a pas de cloison. Faut s'adapter à la situation, Thomas Tech. En fait, il était là, il fait des tricks de ronflage. C'est le père d'un des deux Ardéchois, il est mort, tu vois. Il l'enterre, quoi. Et l'autre dit, putain, c'est triste et tout, mais par contre, t'as une belle montre, quand même. Et l'autre, il dit, ouais, c'est mon père qui l'a me l'a vendu avant de mourir. Victor, t'es maintenant dans le caleçon. Il vient de mettre le mini secou sur mon front là. Oh là là, tu me regardes. On va par où? Ah, mais Mathéo, il était là-bas. C'était sa grand-mère qui est roulée sous les aisselles. On se casse? Ah, c'est moi de Justin. Quoi? C'est vrai que c'est ta grand-mère qui roule sous les aisselles les saucisses? Ouais, c'est une technique ancestrale chinoise. Arrivons. Qu'est-ce que tu peux nous dire en français? Non français. Je m'appelle Win, j'ai une belle moustache. Ce qui est bien avec Loïs, c'est que c'est toujours pépère, toujours warm-up, toujours peinard. Et après, quand il y a le chrono qui roule, c'est toujours devant quoi. Je pense pas là. Franchement, ça saute grave. C'est court en plus, du coup, laisse tomber. J'ai aucune chance. Bon, Loïs, victoire. Banane, ça s'écrit avec un B. Mais voir avec un P. Mais normalement, ça s'écrit avec un N. Ouais, je l'ai, moi. Nanan. Il m'a craché dessus, ton collègue. Tellement il rigolait. Il n'y a pas compris. Bah, c'est bon, j'ai le Covid demain direct. D'ailleurs, je l'ai déjà. Ok. T'as compris ou pas sa blague? Ouais, j'ai compris. Eh oui, c'était pour la vidéo. T'as pas compris. Tu te régales? Bah, toi, pas mal, hein. Tranquille, je te vois avec ton petit vinyle, là, je te trouve assez mignon. Ça n'oublierait qu'il y a une course. T'en as un à côté de toi, de mec fort, d'ailleurs. You good? Non, you good, how are you? Yeah, good. Salut Grégory. Salut Grégory. C'est là le plus... Moi, c'est là. Monde, ça fait du bordel, là. Ouais, t'as eu le chantier en bas. Oh, c'est la bar mitzvah, là, tout à l'heure. Dans l'autre sens, il va pas très vite, hein. Eh oh, madame, j'arrive. Ah bon? Eh oui, regardez. Ah bon, quoi? C'est pas cela. Ils sont pressés, ici, hein. 60. Ah, le casque, il s'est mis comme ça, quoi. Ah, là, là. Il faut y plus rien. Là, ça rentre à 60. Dans l'entrée. Du coup, on avait une question. Est-ce que. Ça se tire? Est-ce que tu freines? Non. Est-ce que tu freines dans les whoops? Vous attendez après les whoops si ça vous ralentit? Après. Mais tu penses pas que ça tire? Genre tout? Hier, on a vu Ben Coulange qui a tiré, mais il a posé genre là, à la 4ème, 5ème. Non, mais genre jusqu'à là, tu vois. Non, mais ça marche pas. Non, ça. Non, mais là, lui. Alors voilà, faut pas lui donner des idées comme ça. Mais pourquoi? Ouais, j'ai tout connu ici. De trombes d'eau. C'est quand même joli, hein? Ouais, c'est toujours beau. À chaque fois, la route, quand tu arrives sur la route, c'est toujours beau. Les locks et tout là-bas. Là. Ouais. Un peu dangereux parce que les c'est ouf ça. Les camions là, ils sont tarés quoi. Non, mais ils sont tarés. Quand je les vois arriver de face là, moi. Mais et puis ils ont pas assez de goudron, je pense, pour faire les chicanes de partout. Ils sont cons, quoi. Incroyable. Ça va? Ça va. On est avec les contre-espions. Non, nous on fait une marche. Hein? On marche. Rien de plus. On repère là, les dodanes. Je sais pas si tu peux filmer là, tu vois. Si tu fais un live Instagram, tu fais pas ça toi? Non, non, tu fais pas. Et... Loïs, c'est l'ami des animaux. Loïs, il est pas là pour la course, il est là pour la SPA en fait. Il est là. Oulata, comment on se retrouve?
C'est le seul mec qui fait un pas, qui descend et qui ne remonte jamais. Je ne remonte jamais. J'ai assez remonté le week-end dernier. Donc là, je... Où ça? Ah oui, à Cousse. Ah oui, effectivement. Ah oui. Tu m'as oublié déjà. J'ai oublié de ta story où tu mangeais tes chips, là. Là, c'est un peu la partie où tu peux briller un peu, non? Un peu dans la terre et tout, là, comme ça. Mais ça, c'est le genre de section. Tu vois, je peux en prendre 10 en 2 minutes. Autant, je peux en prendre 4 en 30 secondes, là. Mais je vais tout miser. C'est quoi, le compte est bon, non? Je peux en perdre 10 en 2 minutes et en gagner 4 en 30 secondes. Du coup, ça veut dire que je prends 6 secondes. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est bien. Bon, non, mais c'est top. Bon. Et après, rendez-vous au whip en bas, on attend le whip off. Tu vas mettre. C'est ton côté ou pas? Parce qu'apparemment, il y a des pilotes, c'est pas leur côté. Non, mais Hugo, il fait des misères, mais moi, je suis on. Toi, t'es tous les côtés, toi. Moi, je suis tous les côtés. Ouais. Droite, gauche, devant, derrière, partout. Bon, on va te laisser bosser. Allez, à tout hein. À toutes les gars. Tiens, vas-y. Attends, vas-y. Je te laisse ça pour que tu passes. Ah, tu vois, passer en toute sécurité. Non mais. C'était qui alors le 14? C'est éclaté ce qu'il a fait là, non? Est-ce que ce serait pas un. Un peu chaud? Un début de nouveau team là. Ah ouais? Tu nous annonces quelque chose ou pas? Non. Pas encore. Garde ça pour ton best-of de fin d'année. Bon, ça marche. N'hésite pas à te le garder. Ouais. Ah, il y a un moment, Mais là, t'attends ton vélo pour aller rouler ou... Ouais, mon vélo. Je dois t'avouer un truc. Vas-y. Je t'ai pas mis dans ma dream team. Normal. C'est un peu dangereux pour toi, ce genre de conditions. Pourquoi dangereux? Parce que... Non, en vrai, tu penses qu'il faut mettre quel pneu, toi? Moi? Ouais. Ouais, franchement, attends, je prends une position de mec qui réfléchit. Si ça bourre, faut pas mettre des meds retaillés. Bah, moi, je mettrais un mode recut devant et un truc qui roule derrière. Ah. Franchement, tu pourrais faire des coupes du monde, mec. Yes! Tu restes en haut, toi? Yes! Ça fait 45 minutes qu'il est là. Ouais. Il va pas rouler. Ferme-la! Attends la pluie. Ah, mais va rouler! Fais quelque chose! Y'a personne qui roule, qu'est-ce que tu parles? Ah, y'a plus de pierres. C'est interdit! Ah! Voilà! Ah! Oui, j'ai appuyé peut-être du papier sur moi! T'as repété la clavicule parce que. Ah, oui. C'est laquelle? Celle-là! Ah! Ah t'as chaud! Tu croyais que tu savais en mode. Non! T'aurais pu m'éclater encore! Lolo! Oui! On a de la chance, on a Lolo, c'est notre invité surprise du jour! C'est vrai? Ouais, ouais. T'as ma surprise, hein, ça y est, c'est moi! J'ai oublié mon téléphone dans le lift en plus! Mais non! Genre, je l'ai là, pas. Là, tout de suite? Ouais! Parce que je t'envoie le message, je l'ai mis là, clac! Et après, je me suis cassé, et je voulais envoyer un message, je dis, allez! Je voulais t'appeler quoi, et j'ai le connard. Il est incroyable. Donc, pas, donc j'ai perdu mon téléphone, c'est quelqu'un de trou. Wouah, Rémi, il est chaud. C'est qui est chaud? C'est Ronan. Mais lui, il est chaud, mais H24. Wouah. Qu'est-ce qu'il fout? Wouah, wouah, wouah. Wouah, ouais, descend. Ça, il a fait la meilleure option qu'il pouvait c'est faire. Beau, hein ouais, c'est beau, hein? Il est en 26, mon gars, il souffle dans le bord. C'est le mec de l'Enzerel l'année dernière? Non, c'est un autre. Ah, un autre. C'est son cousin. Je t'ai mis dans ma fantasy league. Tu vas bien. Je veux pas te faire de mal. Tu me mets la pression à 9h du mat comme ça, là. Voilà. Et je suis 44ème de la fantasy league, donc t'as intérêt à appuyer sur ton vélo. Ça va, je coûte pas un radis. Ouais, c'est vrai que tu coûtes pas cher. C'est bien. Et c'était trop rentable. Je pense que ça doit être toi le mec qui doit être le plus rentable. On met mud, full mud ou là, vu que ça va sécher, on met du sec? Bah, tu vois de la poussière, toi? Tie and die, tu vois, c'est genre. Acide wash. C'est assez. Là, nous, on est là. Tu vois, on prend des infos, machin, avec Loïc, tu vois, espion. Et regarde, c'est qui les espionne. Pris en flag le mec. Thierry qui a deux rôles. Le premier rôle, pour ceux qui connaissent pas, c'est de voir les lignes comme beaucoup d'équipes ont un peu sur le bord. Mmh. Et de voir aussi un peu les pilotes pour voir s'il n'y a pas peut-être un ou deux pilotes à prendre pour la marque l'année prochaine. Ouais, après c'est plus normalement les jeunes. Là c'est déjà les juniors donc c'est peut-être un peu vieux déjà. Mais ouais ça fait partie des rôles en question. Cool. Donc si je fais un gros passage, genre techniquement tu peux m'appeler demain quoi. Voilà, mais ça n'arrivera pas. Vas-y, passe en rappel Pierrick pour voir. Parce que là demain clairement plus tu pars devant mieux tu fais une qualif, mieux c'est quoi. Attends, je suis perdu, non mais j'ai fait une tournée stack. Il a clairement fait une stack. J'en ai chié physiquement. Mais t'as pas mangé un truc banane chocolat là? Juste banane, il y a du chocolat aussi.
C'est de la terre. Me disais, ça craquait un peu sous la dent aussi. Bernard Queneau. Queneau de Relay, qu'on voit tout le temps. Voilà, j'ai racheté tous les droits TV et tout de. Ah, c'est vous ? C'est moi. Ah, on ne savait pas. Donc Red Bull arrête. Hein, et... C'est Warner, c'est moi. Warner Bros. En fait, c'est lui qui va diffuser la Coupe du Monde en Belgique. Voilà, c'est la meilleure publique. Non, toutes les Coupes du Monde se passeront en Belgique. Ah bah... Les 24 manches se passeront en Belgique. Et il y aura des épingles comme ça aussi ou pas ? L'enduro, c'est la vie. Moi, je crois qu'il faut faire ce genre de choses. Il travaille jamais, lui. Est-ce que toi, tu te poses la question de où tu passerais, toi ? Pas du tout. Pas du tout. Ah, moi, je me le dis, tu vois, je passerais genre vraiment inter là. Après, là-bas, je ferais l'ES, quoi. C'est toi, l'ES. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça va vraiment changer. C'est une partie neuve, du coup, ça va changer de ouf déjà. Mais écoute, je suis vraiment content de participer à ma première Enduro World Series. On a des belles épingles, des beaux chemins piétons. Franchement, c'est sympa, quoi. Est-ce qu'on t'a entendu parler du mode d'AU ? C'est-à-dire qu'il y a les crampons plus longs d'un côté que de l'autre ? Ouais, parce qu'on a plus de dévers en fait, côté gauche. Du coup, on va mettre plus de crampons de ce côté, puis on va avoir une bonne adhérence. Puis il y a plus de virages relevés à droite. Donc là, on a un bon setup, ouais. Je connaissais pas du tout ce truc. Là, ça existe vraiment ou... Non. Okay. Bon, en plus, t'as la pompe boîte, on te laisse faire ton trail tranquille. Et... Ouais, merci. Je vous parle, allez. Yohan Diniz en plein 50 km. C'est une rampe de lancement de. Comment il s'appelle l'autre quand on voit des trucs dans l'espace là ? Elon Musk. Comme on dit, là tu peux sauter en camionnette, je pense, tu viens avec un transporteur, ça saute. Ah ! Ça va ? Bonjour ! Ça va ? Vous allez bien, Lucas ? Ça va ? Petite question, on a une petite question. Ah ouais ? Le saut là, il est gros, c'est un gros saut, on est d'accord ? Ah, incroyable, incroyable. Tu aimes bien cette partie neuve ? Oui. Thank you. Okay. Merci Lucas. Le mec, il me dit, ouais, viens, on va rouler ensemble et tout. Moi, je dis, je suis chaud. Tu penses ? Je l'ai vu au bar, quoi. Viens pas, même pas. Ça va ? Ça va et toi ? Ah ouais, je suis là. On toi aussi là. Ouais. C'est alors que la panthère se déplace de façon assurée. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, vas-y, pour 10. Pour 10 ? Ouais, pour 10. Okay. C'est vrai ? 2, 3, 4. C'est quoi le truc ? Il lui changeait son nom en Ninja Panthère sur Instagram. Clary Pellicule. Vas-y. C'est vrai ? Sur 5, sur 10. Attends. Sur 5. 1, 2, 3. Putain, mais je suis nul. Ligie, t'es pas à l'école d'ailleurs, toi ? Tu vas quand à l'école ? C'est fini l'école. Non. Il aurait dû y aller plus sous le plus longtemps. Du coup, c'est plus du tout bike park au final. Là, c'est vraiment, faut aller chercher les lignes, faut ouvrir, t'as des petits dévers et tout. Puis la terre, elle a l'air trop bonne. Je sais pas si c'est parce que c'est plus tôt dans l'été. Tu sais, genre là, la neige est partie il y a pas longtemps. Du coup, le sol a l'air trop soft. Alors que d'habitude, ici, on vient en septembre. Ouais, c'est vrai, tu vois. C'est vrai qu'il y a un fin de... Après, je sais pas, je suis pas météorologue. Mais... Météorologue. Le mec, il avait réussi à faire une interview correcte et il balance. Après, je sais pas, je suis pas météorologue. Toute la France entière se pose une question : pourquoi This Is Us est en noir et blanc ? Le budget, mec. Budget ? Ouais, toute cette histoire de budget. C'est-à-dire que ton stagiaire à la colo, il était pas bon. Bon, tu veux que je te remonte ton vélo pour que tu essayes ? Allez. Tu vois bien, je. C'est pas vrai, toi, aujourd'hui. C'est pas ça, yo, putain. Putain, mais yo, tu sais. Pour une fois qu'il bosse. Quoi, pour une fois que je bosse ? Tu sais qu'ici c'est le seul parking gratuit de Suisse ? Ouais. C'est pour ça qu'ils s'arrêtent tous là. Tu me reçois ? Ah, je te reçois. C'est vraiment pas évident avec ce gauche qui est derrière. Waouh. Oh, attends, on va aller voir. Non, c'est bon. Il va bien. Il est ok ? Parfait, Cindy. Parfait. Il a perdu sa GoPro. Franchement, c'est le meilleur truc qu'il pouvait lui arriver. Parce que là. Pierrick, on va faire un petit tour des paddocks un peu comme en salle ou quoi ? Ouais, allez. Bon, allez, vas-y. T'as un vélo ? Non. Ah bah écoute, regarde. Super bien joué, comme par hasard. Le voilà. Allons-y ensemble. Je le garde ? Non, après. T'as déjà vu une émission où on t'offre un vélo ? Ouais. Filme pas trop, ils vont croire que Pierrick il a un métier facile après. Et un exemple de jeunesse jusque dans le staff avec Dorian qui vient d'avoir son brevet et qui filme pour le team. C'est vrai, t'as vraiment eu ton brevet ? Moi l'année dernière. Bon, mais c'est quoi ? Tu roules aussi ? De temps en temps chez moi, mais pas plus quoi. Pas le temps quoi. C'est pour ça que je suis caméraman. C'est pour ça que je suis reporter. Là il y a les photos de groupe tu vois, les photos de groupe qui arrivent, les trailers voilà, qui vous passent. A pas dit que cet hiver il y a un chrono qui se déroule 10 minutes sur le terrain vallonné maximum 15 minutes 150 mètres de dev.
On est sur 10 minutes, gros, c'est déjà pas mal. Hein. Non, on fait un challenge avec Momo. Ouais. On s'est mis un challenge, on le va rendre officiel. 15 minutes sur de la route de montagne, savoir si lui ou moi était le plus rapide en route. Voilà. Et on a dit qu'on invitait également Thomas Stack, Gaëtan Clary, Raphaël Iniguez. Et Gaëtan Ruffin. Et Gaëtan Ruffin, le meilleur, j'ai oublié le meilleur pour la fin, qui est ici présent. Hugo qui se marie bientôt en plus. Ouais. Comment tu sais? Bah parce que j'ai les infos, tu sais, j'ai les radios paddock moi. Concentre-toi. Après tu vas me dire tu t'es mis court sur la première. L'analyseur de traces, l'algorithme de la Coupe du Monde, il est là. J'ai l'algorithme dans la tête. Attends, j'ai un gros souci technique avec le bateau. Ouais. On peut pas être intelligent. Oui, je sais. Alors voilà. Ouais, tu prends comme ça. Il faut desserrer. Ah. Je suis nul hein. Ah ouais. Bureau vibrant. Yogurt. Ah bureau. Ratatatata. Ah. Ah ouais. Voulez-vous sucer mes bites avec ce soir going with me tonight. Kimi Viardot, on en parle souvent dans les débriefs. Notre junior un peu fast, ben voilà, vous le voyez en vrai. Bonjour. Ça va? Oui, et toi, Florian. Ouais, bon, il s'est pas encore parlé, hein, mais... La piste est fou, quoi. En fait, on n'a pas le temps d'aller à l'école vu qu'il y a trop de courses, donc je sais pas, c'est un peu secondaire l'école. Ninja Panther, oh Ninja Panther, viens là. Il est là, je suis allé chercher Ninja Panther. Si on fait un point Fantasy League, est-ce que je t'intègre dans mon équipe? Écoute, comme je t'ai dit hier soir, c'est toi qui te fais ton avis. Tu verras demain au training, et si tu me sens chaud, tu me mets quoi. Moi, je veux pas prédire. Il est là, en vacances, tranquille. Pas la les flots. Et ça va Thomas? T'as bien mon style? Ben j'allais faire un petit commentaire dessus. C'est quand même le bleu, lunettes bleues. C'est peut-être la seule fois que t'es raccord. Ouais, ouais. Après Christina l'a dit, être raccord c'est de la force mode. Hein. Donc du coup je sais pas s'il faut que je te mette dans mon équipe ou pas quoi. Flo t'es quand même assez déçu quoi. Mais il est toujours 4, mais ce week-end franchement bon, vas-y là je t'amène au sommet frérot. Allez on va au sommet il a dit. Action, deuxième, Benoît Coulanges, action. Et voilà, nous sommes arrivés en bas de la Dracoche. Allez, je te laisse faire parce que moi, je suis pas bon, je crois. Ouah, 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 ouah. Voilà, il s'est roulé. Soda, moi là. Un film. On a Vidal qui vient, qui est vivant, c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce que t'as fait? Les cailloux dans le casque. Je fais un nouveau concept mec. Et tu fais quoi comme nouveau concept? 6S, ouais. Tu vois le truc en noir et blanc, ouais. Expansion mec. C'est quoi expansion? C'est un edit de 2 minutes tu vois. C'est une expansion quoi. Noir et blanc aussi? Non, couleur mec. Ben. Là t'as intérêt d'être... Wow. T'as intérêt d'être présent quand même non? Non. Ça doit être sympa. Ouais, ah, le chien, t'es nul! Ils m'ont un peu énervé en bas et ça m'a T'as vraiment les petites cuisses, Momo, quand même. Ça m'étonne que toi que tu avances pas en route. Non! Là, c'est trop. Un mec avec un char de la jungle? C'est inarrêtable. Déjà, lui, il est encore sur la soirée de samedi soir, tu vois, il a oublié de se changer. Il y a eu un bateau gonflable. Ouais, je sais, tu m'as déjà raconté, on y était. Bon, les mecs en short jungle. Je lui ai demandé de me passer son caleçon pour faire genre un legging short, mais il a pas voulu. Je sais pas pourquoi la piste s'appelle Blast Snake, j'allais poser la question. Bah non, le mieux c'est de poser la question à mon tour. Ouais, non, j'ai pas tu vois. Bah, c'est moi, Anna c'est, qui c'est a parce que c'est la terre. Ouais, Black Snake, c'est la terre qui est noire et que c'est un peu agressif, non? Ouais, puis il y a des racines. Il y a des racines. Mais apparemment, il n'y a pas que des racines, quoi. Tu vois les concombres de mer? Je vais te déconcentrer là, laisse-moi mater. Non mais là tu l'as pas eu quand même. Bah si il l'a eu, t'inquiète. Là t'es mort. Voilà, il y a un Ford Transit Custom, immatriculé en Belgique, si vous voulez le récupérer, il est là. Mais il le sait pas encore. Keno, on a un cadeau pour toi. Regarde, est-ce que tu es prêt Keno? Oh, le cadeau pour Keno, il est là. Ça fait deux fois qu'on le sauve en Italie. Oh putain. Ah là, vous me savez vraiment bien, ouais. Tu sais où ils étaient? Non. Dans l'herbe là-haut. Ah ouais putain, là vous m'avez vraiment... Oh. Ouais, ça a pas changé par contre.
Ah bah je veux dire maintenant tout ce qu'on fait ouais. c'est online quoi. Ah, tout ce qu'on fait tu vois, tu prends le tel, clac clac, vidéo, il est cassé, il marche plus. Voilà, il faut mettre une musique de fond toujours, et tu t'enjailles, tu vois bébé, on faut est que là, tu vois. Et après tu montes bien la roro aussi, tu vois, la voiture, les femmes, les médias, les paparazzi là. Donc on rappelle, pour information, qu'on n'a pas d'accréditation. Pour le moment, on n'a pas eu le temps de les récupérer, puisqu'il y avait après 60 heures de queue. Oh ouais, c'est un teammate cette année. On l'a pris en charge avec nous. Le souci des mecs comme Keno, c'est que... Ouais, les mecs, ils sont tellement la classe qu'ils ont tout le temps des fringues neuves, tu vois. Keno, faut le retirer, ce truc-là. Ouais, trop neuf. Il n'y a pas le prix. Il y a la référence encore. Faut le revendre. Allez sur le Vinted de Keno. Keno du... Keno de Wallonie.gouv. Franchement, non mais celui-là je m'habitue pas, c'est impossible. Comme dirait Johan, je vois ce que tu proposes, mais je vais quand même passer à côté. Mais c'est pentu quoi, c'est vraiment pentu. S'il y a quelques averses comme il disait tout à l'heure, waouh, là ça va être chaud. En soi le raid est pas très compliqué, mais si c'est pour aller tout droit, tout planté. Il est good. On rappelle les trois règles. Il y a les trois règles fondamentales du vélo de descente. Les trois règles. Ouais, il y a trois règles qu'on a édifiées parce que tu sais, il y a la police du style, il y a tous ces trucs-là. Ouais. Tu vois, la descente est un sport qui est classe et il faut que tout le monde soit classe, tu vois. Et donc, on a édifié trois règles. La première règle, c'est on ne monte pas sur un podium, on ne roule pas en vélo de descente en short. Ouais. Donc ça, Amaury a mis longtemps à comprendre ça, on est d'accord. Mais il a quand même gagné une Coupe du Monde. Il a gagné quand même une Coupe du Monde en short, ça c'est un problème. Faut se rappeler. Ouais, faut s'en rappeler. La deuxième, c'est on ne roule pas avec des chaussettes qui ne dépassent pas la malléole, tu sais, qui restent sous la malléole. Ça c'est bon, c'est interdit. Ouais, je suis d'accord. Et la dernière, c'est on ne roule pas avec des rayons de couleur. Donc du coup, voilà, on avait tous la question. Pourquoi ce n'est pas moi qui décide des couleurs de rayons. J'ai bien à dire que je ne suis pas responsable de ça. Et franchement, je ne cautionne pas vraiment. Donc ça va, il vient d'avouer, donc c'est à moitié avoué, à moitié pardonné. Le sujet est clos, mais souvenez-vous des trois règles, c'est quand même important, on est d'accord, on peut pas faire autrement. Ouais. Après, je pense qu'on peut faire une... Encore, on peut trouver d'autres règles, mais c'est vrai que c'est déjà trois belles règles. Hein. C'est la base. Ouais, c'est la base, ouais. Attends, faut que je travaille avant. Tu as changé de partenaire, là. Ouais. Là, c'est Fox cette année, nous équipe pour les trackwalks. Charlie, il va se suicider, là. Bah non, c'est les trackwalks. Faut qu'on walk. C'est beau. Non, t'as cru quoi? Non, c'est pas ça. Les 2007, c'est compliqué quand même. Ouais, voilà. Donc, quand même, on est avec Dorian Jounal qui s'en va. Mais Dorian Jounal, il rentre parce qu'il faut qu'il aille passer le bac jeudi. C'est jeudi ton bac? Regarde, il tient même pas debout encore. On prend vraiment des enfants sur la Côte d'Ivoire. Wow, drift pour Lucas. Il a mis le kimono en plus. Il a mis le kimono. Are you kidding? Tu connais lui? Non. Il a des beaux cheveux. Tu sais pourquoi il peut pas aller au gang? Aller au gang bang? T'as peur de te faire violer? C'est non. Non, il faut qu'il passe le bac. Ah merde. C'est bien ça. Ah mais ça il faut l'avoir quand même. Regarde. Ouais, Nathan. Mais moi je suis allé prendre une crêpe au Nutella chez SP. Crêpe au Nutella HSP, ça y est, ça commence. Ouais, goûter les crêpes de la concurrence, tu vois. Ouais, je vois bien. Il est toujours là avec toi, là. C'est terrible, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ça fait combien de temps que ça dure? Eh ben, en fait, j'ai compté sur toi pour plus l'avoir collé derrière moi, mais c'est terrible. Faut lui poser la question. Alors, est-ce que tu préfères en sandwich? En gang bang. J'ai dit même les Portugais ils font pas mieux. Waouh. Là faut pas oublier. Ça va mon Ken, en forme. Tu vois Keno. Celui-là on l'avait oublié. Celui-là on l'avait oublié alors que c'est ici que ça se fait quoi. Ça va mon plus beau. C'était au moment de la. Quand la fistinière était à son point culminant des visionnages YouTube. Ah, Keno, mais c'est. Reconcentre-toi sur le trackwalk. L'ancienne piste elle va tout droit. Toi concrètement t'es capable de dire ouais je saute et de sortir de la piste quoi. Ouais. Comme voilà. Et dire, il nous a fait une belle. Une Thibo Ruffinade qui fait ça. Une Thibo Ruffinade. Enfin, sauf que Thibo était resté sur la piste là pour le coup. Ouais, mais il pensait que c'était une double alors que c'était une triple. Ce qui est dommage. Ça coûte deux bras, genre de conneries. Il y a un petit déconne. Ouais, je sais, mais je fais ce que je peux. Hein?
C'est un monde assez particulier, ça. Tout est prêt, et voilà. De toute façon, DHR2... Non, ça faut pas dire ça. Pardon. Il faut enlever ça. Ça va rouler vraiment très vite. Donc là, les racines, ben, ça va pas trop calmer pour rentrer dedans. Donc je pense qu'on va quand même... on va faire le hibou, tu vois. Grands yeux, petit cul. Ça, on regardera pour le winter, la Winter Edition. Alors du coup, la réponse... On revient juste après une petite page de pub. Arrête de faire des pubs, toi. Mais obligé, gros. Il vous a pas saoulé avec ces pubs, là? Mais gros, nous, on prend pas le salaire de Loïc Bruni. On est obligé de tu vois. Lui, son vélo, il fait un sacré bruit. Hein. Je donnerai pas de nom, mais ce vélo fait beaucoup de bruit. C'est un Scott. Ouais, je suis toujours avec le Blair de full attaque, pourquoi? Ah, je voulais te parler un peu de lui. Avec le bleu, avec le plus rouge. Vas-y, il s'est un peu écarté, tu peux y aller, n'hésite pas, vas-y, on voit la sauce. Le caméraman, pas loin ou pas? Ouais, tu vois lequel, le caméraman, le petit, là? Mais bon, lui, c'est pareil, je pense, hein, vas-y, balance. Du gauche. Va falloir que vous bossiez, les gars, les pilotes sont partis. Oh putain, caméra, Bon, écoute, bonne chance pour ton final run, et on espère qu'il va nous refaire un petit podium. Comme la semaine dernière. Yes, moi aussi j'espère. À 5. Je veux pas taper. Oh putain. J'ai concentré déjà. Donc t'es passé de média, ce que nous on fait. Je suis passé de média à team manager, ouais. Voilà, donc du coup maintenant t'as un vrai travail. C'est un vrai travail. Moi je vais rouler là après. Quand tu bosseras. Bâtard. Arrête de filmer tout le temps. Je me sens pas en sécurité maintenant. Ouais, tu peux même commencer à travailler si tu veux. Ouais, je vais commencer à travailler. Mais attends, parce que là, je suis dans une position délicate. T'as vu comme je fais les biceps, les quadriceps? Oh, mais soit il est trop large. J'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? Soit il. C'est le jogging, mais je suis pas bonne. Le mieux, c'est la gourde dans la poche. C'est encore plus. Déjà qu'il est fin le truc. Dans la gourde dans la poche. J'écoute ce qu'ils disent. Pour eux. Je savais que tu faisais chier les fables, pas autant que ça. On est avec Millet. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez vu comme il est fort? Ils ont pas mis que du gazon, ils ont mis de la terre aussi. Ouais, hélico. Tu crois? Ouais, 6000 mètres cubes. 6000 mètres cubes par l'hélico? Ouais. Qu'ils ont tassé ensuite? Non, je sais pas. Mais gros, dis pas des trucs, dis pas des trucs comme ça, après, je vais me croire que c'est vrai. Mais il a dit qu'il montait à l'hélico et tout. Keno, est-ce que cette année tu comptes perdre quoi? C'est l'année dernière, il a perdu ses clés de voiture. Ensuite, ce que vous avez pas suivi, c'est que sa voiture est tombée en panne. Il a fallu qu'on le récupère sur une autre autoroute. C'était pas William. La même année, c'était pas la même voiture. Oui, bon, c'est pareil. Moi, ce que je vois, c'est quand t'as récupéré à pied sur une autre autoroute. Une Subaru, c'est normal, ça tombe en panne. Donc voilà. Et l'année passée, je me suis même pas rendu. Je les ai pas vraiment perdus, puisque je me suis jamais rendu compte que je les ai perdus. J'ai retrouvé les clés avant de les avoir perdues dans ma tête. Maintenant, t'as vu les Irlandais, les représentants de l'Irlande, t'as vu qui c'est Ronan Dune? Là, il va falloir être un petit peu plus fin sur le vélo. N'est-ce pas, Hugo Marini? Ouais. Je t'ai pas écouté. J'ai entendu fin, je dis ouais. Fin comme... Il va falloir être fin comme ton jogging. Ouais, on a hâte de vous voir faire les freins à main et fendre l'herbe qu'ils ont plantée ce week-end, cette semaine, ou la semaine d'avant peut-être. Peut-être même un peu plus avant encore, là, l'herbe. Ouais, elle est belle en vrai l'herbe là, franchement c'est stylé, on se croirait genre ils ont mis du synthétique là, on est au stade des princes, je sais pas quoi. Du BMX, on est au BMX. Quoi, ils ont pas d'herbe dans le BMX? Mais non, mais c'est lisse comme du BMX. D'accord, super. T'aurais dû dire on va au City frère. Avec la victoire de Léo et de Lisa en junior, ouais. Comment ça s'est passé? La soirée du Race Support a été assez mouvementée. Allez au gang. Ce qui se passe à Léo Gang reste à Léo Gang, bon. C'est un petit peu comme Las Vegas. On va rester comme ça alors. Merci. Ouais, j'ai vu. Lidl Trek. Tu pourrais signer Lidl Trek, toi? Lidl Trek? Ouais. Je sais pas ce que c'est. Si tu devais signer dans n'importe quelle autre équipe que la tienne, ce serait chez qui? Aucune. Vous voulez signer chez Canyon l'année dernière? Hein? Bien, on s'en va. Là, ça pourrait être plus facile de faire la différence. Et ben normalement, ouais. Ça devrait le faire. Il y a vachement plus de placements de vélo et tout. Il me casse les couilles. Attends, je lui ai même pas pété les couilles quand il parlait. Oh, avec sa veste sans manche, regarde-le. Il manque une canne à pêche et il va à la pêche. Stéphanie.
Ouais, mais elle roule. Ouais. Mais c'est qui roule comme ça? Elle, au bras de fer, elle te démonte, mec. Hein. Mais. Bah, la vérité, là. Benoît Coulanges, ça va, ça a été? Ah, je fais du bon boulot. J'ai donné tout, mais j'ai pas allé plus vite. Non, on a trouvé le vrai chef. Et voilà, j'y arrivé là. Merci, c'est gentil. Vas-y, un petit bout là. Allez, allez. Moi, je peux prendre la framboise là. Ouais. J'adore la framboise. Va, va aller prendre. Toi, qu'est-ce que tu manges là-dedans là? Il y a Thomas aussi, Jeunon, qui est juste à côté, qu'on ira voir tout à l'heure, qui est en train de, qui est en train de, je sais pas trop quoi faire d'ailleurs. Il fait des posts avec ses pieds. Il fait quoi? Il poste des vidéos avec ses pieds. Il poste des vidéos avec ses pieds. Tu veux voir? Ouais, ouais, carrément. Les pieds, c'est des mains, mec. Parfait. En ligne, regarde là, je check une dernière fois. Et là, j'hésite un peu. Est-ce que c'est le bon? Pied droit, pied gauche? Non, les deux. Ambidex. C'est incroyable. Et c'est qui un peu le plus fou là? On entend un peu du Lali, du Ronan Dune qui était quand même un peu dans le scène, non? Moi, je suis. Ouais, je voterais pour Lali quand même. Lali. C'est Lali le plus fou. Ouais. Ah, vraiment. Ouais, Lali, ouais, il donne des tours de pédale pour s'élancer sur des sauts où faut pas vraiment pédaler. Mais il est là. Tu te dis Lali, tu vois, il a eu le temps de voir ce que c'est la vie et d'avoir mal quelquefois, tu vois. Et le fait que. Il a le même regard quand il boit un café le matin ou devant un road gap, c'est ça qui me fait flipper. Ce qui a aucune différence pour lui. Aucune émotion. Aucune émotion. Ça, c'est abusé. Genre, moi, tu vois, je suis. Avant le road gap, je suis repeint, quoi. Ma mine est défaite. C'est vrai. Enfin, je sais pas si on espère. C'est là, franchement, sur le mouillé, comme on l'a vu hier, il y a des parties, je sais même pas comment ils vont passer en fait. Donc on va voir. Coupé. Coupe, cut. C'était bien, les gars. Je te présente la brochette. Florent Payette, le réunionnais invétéré. Sous la pluie. Brioldinho. La jeunesse. Bonjour. Pas mauvais en vélo, très très bon au football. Surtout à FIFA. Ouais. Matteo Iniguez que vous connaissez, voilà, qui est là, qui a clairement envie de rouler sous la pluie, c'est ça, hein? Tu m'as dit. Oui. Oui. Voilà, je vais m'asseoir là entre tout le monde. Et bonjour. Oh non. Mec, vous voulez voir notre montage ou pas? Oh, c'est encore un truc avec des pieds ou pas? Non, vas-y, monte la photo. Moi, je te montre l'autre. Ici, on a deux spécimens très différents. On a Kai Strait. Ancré dans le sol, tu peux pas le bouger. Une pièce, genre t'en as peur. Il le regarde droit dans les yeux. Genre, I'm gonna kill you. Et puis après, t'as Matteo, qui est un chewing-gum, qui est en train de s'enfuir. C'est vrai, ça. Qui regarde au sol. Et puis là, bah, t'as plus ou moins le même truc. Avec le regard qui regarde plutôt bas, et lui, le regard qui il traverse, il perfore le visage. Allez, je viens de régler Vincent Tupin, maintenant je me fais. Je me fais Brioldinho. Oh non, m'a pas le tang. Putain. Ah. À partout là. Mais je fais la même à chaque fois. Avantage, Briol. Oh, bon feu, je suis une merde. Oh, attention, ma caméra. Mais t'as qu'à la mettre ailleurs, gros. Mec, elle c'est tout le temps au milieu, gros. Ah, t'es ça, seul qui fait pas de vélo, gros. Alors, Antoine, il fait du chien, mais là, il a raison. Oh, hein, tu me fais chier, donc. Alors, je suis arrivé, mec, il y avait tout le monde. On va comparer des. Ça va, ça me plaît. J'aime bien, mais toi, je marcherais pas 10 km pieds nus dans l'année. Enfin, peut-être, oui, quand même. Ça va vraiment être physique, du coup, on reprend les bases de l'année dernière sur les vélos et on. Et on change rien. Et on y va. Donc au final, tu auras mis une semaine tranquille, c'est ça? Tu vas pouvoir boire un coup, c'est ça? Exactement. Ricard, glaçon et... Avec modération. Et basta quasi. Il y a quand même plus qu'une grande ligne. Il y a des petites lignes à prendre sur les bords, mais c'est moins ouvert que les années d'avant, clairement. Tu parles là? Tu fais une vidéo? Ouais, ou... je parle, ouais. Ouais, j'ai l'impression que... Ouais, je parle. Je parlais du fait que c'est... Personne t'écoutait, en fait. Je parlais du fait que c'était plus fin. Et que comme toi, t'es quand même assez large d'épaule, je pense que tu peux te faire disqualifier avec la largeur d'épaule. Bon, on est avec l'équipe de France Junior, qui met Viardo, ah bon, voilà, qui boit de l'eau, qui passe son permis dans deux jours. Moi, j'y suis plus, mais j'ai déjà passé. Milan Falquet là-bas, troisième des championnats d'Europe au Ménuire, et notre champion d'Europe Junior. Il est là. Il est là, viens, on va aller le voir. Voilà. C'est où quoi? Si, Val d'Isol, on a quand même pas. Val d'Isol, il n'y en avait plus. Il n'y en avait pas. C'est à Lanzarote, non? Hop,
Ça peut se voir tempéré. L'Orval, ça, on apprécie. Tu vois, une bonne équipe avec un bel accent. Les gros Belges dans la montre. Ici, c'est l'ambassade de Belgique. On va mettre notre drapeau pour demain. Alors, fais au moins le bruxellois comme Coluche. On est quand même deux bruxellaires qui habitent depuis un petit temps en France. Regarde, il a un drapeau ici, il est noir, jaune, rouge sur mon papier. Hein. Toi, pareil, hein. Hein. Lui, il n'a pas vraiment l'accent. Hein. Il a habité que 10 ans à Bruxelles. Ah, c'est pour ça qu'il a fait de la merde. Je dis là, faut que les Belges ils rentrent en Belgique là. Oh, il n'y aura pas de chronomètre s'il n'y a pas de Belges. Il n'y aura pas de photo s'il n'y a pas de Belges. Si pas de photo, si pas on part, c'est mort. Voilà. Si on part, tout le monde part. J'étais serré. C'est bon. Je fais ce mouillard déjà. Avec le raptor. Tu peux toucher ou pas? Toucher quoi? Bah genre des... genre tes réglages quoi. Oh le trailer. On revient. L'arrière c'est dans l'autre sens. Putain mec, j'ai tapé dans Barrel d'une force. Il a volé de 4 mètres. Il était sur le côté. Il fond pour Barrel. Mec, il était sur le bord. Du coup je me suis dit bah il va rester là. Et là quand j'arrive, il se met là. Mais oui, mon gars. Bah non, enfin il m'a entendu mais il pensait avoir le temps de courir. Et mec, mais j'ai tapé dedans. Puis c'était rien à mourir, à voler. J'étais où en bas? Non, non. C'est toujours agressif les Auvergnats quand même, tu vois, c'est un peu... Non mais tu sais, vu qu'il il a un peu coupé le contrat, bah, regarde, du coup là voilà, il prend le hippon quoi. On verra. Par contre le squat c'est sûr qu'il file. Alors... Ok, non, quête. De toute façon, si c'est pas un comme ça, ça marche pas. T'as dit quoi? J'ai dit si c'est pas un common sale, ça marche pas. On bipera. Non, tu vas pas biper, gros. On va te reprendre encore 5 minutes pour aller voir ce que j'ai appelé le road gap surprise. C'est de la merde, ça, gros. Je vais aller voir un truc de merde. On est monté dans la vallée, là, on a fait toute la crête derrière au fond, là, toi, celle dans le bleu. Ouais. Et après, bah encore là, ça montait quand même bien. Et après, la crête là qui revient comme ça, là. Tu vois que c'est pourri, on est là-dessus. Laisse tomber. Il se reconvertit, il fait du trail avec Momo. Nous, on était là avec les bodards. Vas-y, Boris. Vous n'aviez pas de bodards? Non, on n'avait pas de bodards. je suis arrivé, genre, meilleur tour de vélo de ma vie, genre, j'étais refait. Bonjour. Ça, elle arrive, genre. Oh, on n'arrive pas à les avoir. Pompe a eu Huguette à 13h, il lui a dit c'est chaud, mais on va y arriver. Wow. Bon, j'ai perdu mes moyens. Donc, t'as vraiment appelé le plus jachin? J'ai appelé les flics. On va entendre un peu du canadien, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un canadien qui nous parle. Tristan Lemire, le retour, ça va? Tabarnak, man. Le clown de l'IRD, là, je vais un peu t'expliquer. Voilà, les deux clowns de l'IRD, ils sont là. Attends, deux secondes, je fais quand même... Du travail? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Jatana? Il a crevé? Oh, Lolo! Attends, il y a mon marsupilami qui arrive. C'est qui ton marsupilami? Le marsupilami. Ah oui, bah Tim. Mec, en vrai, ça fait peur, ça, là-bas. D'après elle, Simon Chapelet juste derrière. Mais. Ça fait peur, mais. Benoît Coulanges. On discutait avec la nana de. Ouais. De la Sécu. Ok. Et à part une épaule, pas de gros crash. Non, ça va, hein, parce que c'est pas mouillé pour le moment, mais faut pas que ça pleuve, quoi. Ouais, mais quand ça pleut, ça va moins vite. Franchement. Ça, je suis pas sûr. Moi, je trouve les pistes les plus dangereuses, c'est style où il y a rien, comme les Hogan ou des merdes pareilles. Des trucs chez les Allemands de merde. Non, alors ça en va quoi? En vrai, ça fait peur quand même quand il y en a qui tire à chaque fois. Ouais, mais c'est marrant. Wow. Oh la vache! Yeah, this guy, I don't know. They're a bit different, these Irish guys, eh? On va se take on your bike window. Yeah, I'm not doing that. Là, il est en train de se passer un truc incroyable. Donc j'essaie d'arriver sur le... Dans la piste. Et on a quand même le public qui nous a ramené des mameurs quoi. Mais en fait on dit manère, c'est deux N. Ah merde, ok, j'arrive toujours pas à le dire. Donc c'est le souvenir de Léo Gang, et pour ceux qui l'ont pas vu, je crois que c'est sur le road des entraînements ou le track walk où t'as pas pris ton petit déj et tu dis si. Si. Donc tu reprends un petit déj et tu dis la piste, qu'est-ce que t'en penses, elle aurait pu être plus sympa, ouais. Et je crois que c'est ton caméraman qui dit je pense que t'aurais pu prendre ton petit déj avant. C'est à peu près ça, ouais, exactement. Bon ben merci bien, t'as ramené ça. C'est avec plaisir. Bravo, merci à vous, je trouve ça incroyable. Ah, j'ai les deux? Ouais. Oh, mais de ouf, mais c'est trop bien, mon petit. Ça va? Oui. Mec, c'est ouf. Franchement, là, je peux pas rêver mieux, quoi. Allez au gang. Bon, bah voilà, c'est Léo Gang. Mais là, en France, moi, j'ai des valeurs. Toujours aussi bon. Hein. Allez, au top, préviens-moi quand ça part. Désolé, il y a un peu moins de nazettes cette année, mais là, je suis obligé. Tu vois de qui je veux parler.
Bon, les faux Américains. Qu'est-ce qu'il m'aurait bien coiffé ou pas? Ouais, attends. Attends, coiffe-moi bien, ouais. Je veux pas que maman me voit comme ça. Tu sais, elle parle même pas français, maman, mais elle regarde quand même. Hein. Ah, bon, c'est bon, les sous-titres en anglais maintenant. Ah ouais, ouais. Petite elle a question. Rien à foutre avec ces sous-titres, quoi. Now I'm busy. How Jackson's feeling at the moment? Don't know, I'm watching Group B. C'est quoi ce film là? The Pilot, t'as pas regardé? Bah si, j'ai regardé. Non, bâtard, t'as pas regardé, je suis sûr. Moi? Ouais. Il a pas regardé. Mais bien sûr, j'ai regardé quoi? Ah ouais? Là, là. Ok. Et par contre, ce que j'ai adoré, c'est Max qui parle en anglais. If you want, go. You need to be a hero. On va au okay, là? Tu veux que je fasse des moves? Alors la dernière fois, pour l'Edit B, la dernière fois que j'étais ici à Val d'Isol, j'ai pris les dents de là-bas, je suis allé à fond là comme ça, j'ai fait un ventre glisse, mais il n'y avait que la dalle où j'étais qui glissait, je me suis mis un scorpion. Je te prends ton nom. Mais pourquoi? Mais parce que t'as pas soif. Mais gros, mais écoutez, il y avait de l'eau là, non mais sans déconner quoi. Ah ça va, j'avais trop soif, mais je pouvais pas te faire un verre d'eau, non? Mais j'ai pas trouvé de verre. Mais tu me demandais? Oh bah ouais, en pleine rayon là. Mon ça va. C'est mis 2 minutes que tu fais gros. T'as vu, toujours fake comme ça ou ton pote? Ça se passe comment là? Le mec, je le croise là-bas, il me fait signe à peine, il fait oh. Enculé. Non, c'est vous qui êtes, c'est lui hein, c'est son timing à lui, moi je m'en fous. Moi j'ai le temps, tu veux jouer à la console. On dirait Momo à Malheur. On dirait Momo à Let's Ride, tu vois. Waouh, regarde, comme ça il fait Let's Ride, regarde là, ça. Ah non, la bisonne est plus propre. Merde. La bisonne est propre, tu peux rouler dans la bisonne. Hashtag SO UCI Mountain Bike. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton bonhomme là? On croirait que tu rentres du PMU de Saint-Lary là. C'est toi qui vas le plonger. Waouh. Allez, voilà. Alors le premier qui la trouve. C'est une technique que tu utilises souvent ça? T'as dit gros, j'ai un cut hein. Donc, on s'est posé un petit peu là parce que c'était un peu le chantier. La dernière fois, on vous a fait gagner. Salut les loulous, comment ça va? Alors là, voilà, parce que c'est ici qu'on va les cacher. Parce que là, et c'est que pour dans les fils au concours. Dans le pistolet, voilà. Qu'est-ce qu'il dit le mat? Hier, tu m'as fait rêver. La nouvelle plus bon pied. C'est trop stylé. Waouh. C'est incroyable. Ça, mais... n'achetez pas. Je vais l'acheter, mais je me suis dit bon, quand même. Non. Corta, genre là, on l'a vu, wow. On l'a vu au Mans. Mais gros. Putain, il était... On peut faire des wheelies ou pas? Wow. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es mis un petit trail ce matin? Ouais, j'ai marché. J'ai pas mis de trail du tout, j'ai juste marché. Quoi. T'es parti d'en bas? Ouais. Putain, mais tu t'es mis un peu de dénivelé quand même. Wow. 600? Je sais rien. Tu te le dis? 595. Bien. T'as mis combien de temps? Je me suis arrêté chier dans les bois et tout. Ah ouais, c'est 28 minutes le record. Alors voilà, on va arrêter. On va arrêter Adrien Day tout de suite, on n'est pas en enduro, on peut pas comme ça déplacer les piquets où on veut. C'est interdit. Balisage, bah ça va, on est en France, on fait ce qu'on veut. Hein. Bon, on est avec Adrien Dailly, Antoine Roche, Lissandre aussi qui est venu voir pour se reconvertir. Étant donné que l'enduro, ça sent un peu le roussi. Là, il va y avoir un choc, là. Il va y avoir un choc des titans. Thomas Lemoine avec une espèce de caméra poisson. Avec ma datcam évolution, t'es jaloux? Ça va beau, quoi. Putain, t'es trop beau dans les arbres et tout, là. Putain, toi aussi, hein. Et on t'a vu rouler hier un peu au plein air et tout. Ça te donne envie de rouler? T'aurais envie de rouler? Ouais. Pourquoi t'es pas venu rouler avec nous? Et parce que j'ai des trucs à faire, j'ai un travail moi. Ouais, en vrai je kiffe trop la DH mais c'est trop tard, j'ai 26 ans, putain je suis mort. Mais si je devais refaire ma carrière, ouais. Je commencerais direct par le BMX Race et j'enchaîne avec la DH. Yo, si t'étais pas un amateur, t'aurais une caméra comme ça gros, à un moment donné. Attends, ferme-la deux secondes. Alors ça se boit des canettes jusqu'à point d'heure. Waouh, waouh, sur le tondeur. Ouais. Là, il y a une équipe à découper le beurre. Il y a Flo Payet qui... Tu veux... Ouais, vas-y, on répond. Ouais, Flo. Ouais, Flo, ouais, t'es où? Je suis... je vais à la part chier, après je vais... Ouais, c'est très bonne idée, papy. Nickel. Ouais, t'es pas sur la piste, quoi.